Hey coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 16 juillet, il est 13h43 et je me rends chez le dentiste. J'ai été appelée ce matin pour un rendez-vous de dernière minute qui a été annulé. Donc j'ai rendez-vous à 14h. Donc oui, je pars 20 minutes à l'avance. Alors que c'est en bas de la rue, hein, c'est même avant mon médecin. Mais bon, au moins, je serai à l'heure. Et puis ça me permettra de blablater un peu avec vous. J'ai reçu un mail de la personne de la Réunion qui va passer une commande de 200 fondants. Voilà, donc en gros, je dois préparer 3 fragrances spécifiques. Elle veut 100 fondants pâte à tartiner, elle veut 50 fondants litchi, ça me fait penser qu'il faut que je rachète de la fragrance, et 50 fondants pain d'épices. Voilà, donc pour ce genre de commande, normalement moi je suis censée toujours, vous savez, emballer les fondants, mais elle m'a dit de pas me prendre la tête, de mettre les fondants, de pas le faire individuellement. Voilà. Excusez-moi, il y a du bruit. Donc de ne pas le faire individuellement, en fait, de mettre tant de fondants, quoi. Les fondants litchi, les fondants pâte à tartiner à part, et les fondants pâte à tartiner pain d'épices. Bon, voilà. Les fondants, voilà, donc gros dans des sachets différents. Bien sûr, sur chaque sachet, il y aura une étiquette CLP, déjà pour savoir c'est quelle fragrance. Donc voilà. Donc en tout cas, merci à cette personne de me faire confiance parce qu'il y a quand même 200 fondants. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Je n'ai pas calculé combien ça ferait. Je n'ai pas calculé combien ça ferait. Donc voilà. Donc on verra bien. Déjà, elle devrait avoir une réduction pour une commande de 100 fondants. Elle devrait avoir 10€ de réduction. Sur le site automatiquement, mais je n'ai pas le, je n'ai pas fait pour 200 fondants. Parce que c'est la première fois qu'on passe une commande de 200 fondants. Même 100 fondants, on me l'avait jamais passé. Donc en tout cas, merci à cette personne, ça me touche infiniment. Clairement, ça me touche infiniment. J'essaie de calculer le prix de la commande que ça me ferait. Alors bien sûr, le poids serait donc de 1 kg. Voilà. Le poids serait donc d'un kilo pour le colis. Je ne sais plus les frais de port. Je crois que les frais de port sont à 13 ou 14 euros. Voilà. Bah oui, c'est une grosse commande. Donc le poids, malheureusement, est là. Hein. Faut pas l'oublier. Donc voilà. Donc en tout cas, merci à elle infiniment. Ça me touche. Je ne pouvais pas savoir à quel point qu'une personne de la Réunion me fasse confiance à ce point-là pour commander 200 fondants. Alors en fait, j'ai compris pourquoi elle commande autant de fondants. Elle m'a expliqué qu'en fait, les fondants ne diffusaient pas assez chez elle. Et après, je lui ai expliqué que je sais pas, si vous avez une grande pièce à vivre, c'est normal. Je sais, il faut en mettre deux. Elle fait oui, j'ai une très grande pièce à vivre et tout. Elle m'a dit, mais moi, dans mon brûleur, il en faut 5 ou 6. Déjà, moi, dans 36 mètres carrés, quand les fenêtres sont ouvertes, je suis obligée de recharger un petit peu mes fondants. Mais après, comme je lui ai expliqué, moi, en fonction de la loi, les normes, je ne peux pas doser à plus de 10%. Donc ça, c'est une norme à ne pas dépasser. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle en commande autant. Mais c'est vrai que quand on a une grande pièce à vivre, d'ailleurs je lui conseillerais de mettre plutôt plusieurs brûleurs dans la pièce avec de mettre plusieurs brûleurs dans la pièce à différents endroits. Voilà, parce qu'en fait si elle met un brûleur je sais pas, à l'entrée de la pièce, le temps que ça se diffuse à l'autre bout de la pièce, voilà. Donc, putain,
Oh bah je suis déjà arrivée. J'ai une crampe au bras. Donc en tout cas voilà, donc j'espère que bah, la dentiste, le dentiste, je ne sais pas, ne va pas me charcuter. Hein. Le principe c'est pas de me charcuter. Le principe c'est de ne plus avoir mal. Donc on va regarder l'état des dents. Donc c'est une séance de 45 minutes. Attendez. Je regarde là. Non, c'est pas là. Ah, c'est là. Ouais, c'est là. J'ai trouvé. Attendez. Je me mets à l'ombre. Je me cache les cheveux. Donc voilà. Donc écoutez, bah je suis. Oh, quoique 10 minutes en avance, ça va. Donc écoutez, j'y vais et je reprendrai après. Il est 17h49. Je suis désolée, je ne vous ai pas repris en sortant de chez la dentiste. Mais si vous remarquez, j'ai un souci de lèvres. Je ne suis plus anesthésiée, mais ma lèvre bug. Et en plus, je fais l'escargot total. Si je mange, je bave. Voilà, j'ai une hypersalivation. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. J'espère que ça va vite partir, cette sensation. Regardez, ma bouche est traviole. Pas normal. Voilà. Donc à la base, c'était censé être un rendez-vous de. Bah pour connaître en fait le dossier. Je me suis fait engueuler, hein, littéralement. Parce que bah, je me brosse mal les dents. Voilà. Parce que mes dents ont plein de caries. Genre. Voilà. Je lui explique que mes dents se détériorent à une vitesse et on ne comprend pas. Je lui dis, j'ai eu 5 extractions dentaires en un an, elle a pas tilté que c'était pas normal. Donc voilà. Ça, voilà. Et j'ai dit clairement qu'en fait, j'avais eu mon dernier rendez-vous avec ma dentiste en mars. Et qu'en fait, il s'est passé quoi? Même pas en mars, je sais plus, en mars ou en février, je sais même plus. Et elle me fait, oui, mais c'est pas possible que les caries se développent aussi vite. Alors justement, ma dentiste pense la même chose, mais ne critique pas. Elle ne comprend pas pourquoi les caries se développent aussi vite, mais elle ne juge pas. Voilà. Quand je lui ai dit que j'avais fait une salive, ce qui expliquait l'état de mes dents, j'ai été jugée. Elle est censée avoir une formation quand même médicale, et qu'en fait, alors déjà sur mon dossier, c'est écrit là que je suis diabétique, que je suis sous médicaments pour la dépression. Donc dans les deux cas, tu grossis, hein, techniquement. Il y a certains médicaments qui font grossir dans les deux cas. Et quand elle dit oui, la sleeve, c'est pour les gens surpoids, c'est pour faire perdre du poids, oui. Mais la malbouffe, ça aide pas. Putain. J'avais envie de lui rentrer dans l'art. Clairement, heureusement que c'était du dépannage. J'avais vraiment envie de lui rentrer dans l'art. Genre, il n'y a que la malbouffe. On dirait Thibaut Enchep qui parle, quoi. Ouais, les gros, ils sont gros parce qu'ils sont flemmards et qu'ils mangent mal. Voilà. Alors non, les maladies, ça aide pas non plus. Les médicaments, ça aide pas non plus. Mais bon. Et après, elle m'a dit quoi d'autre encore comme connerie? Oui, elle m'a dit, faut prendre soin de vos dents parce que nous... Et moi, j'ai envie de répondre, bah en fait, si on prenait soin de nos dents, vous auriez plus de travail. J'avais fermé ma gueule parce que bon, elle était en train de me charcuter, mais... voilà. Alors, je comprends qu'un dentiste conseille de prendre soin de ses dents, c'est normal. Mais si on avait tous une dentition parfaite, les dentistes n'existeraient pas, les gars. C'est comme il y a des médecins qui vont dire « Arrêtez de fumer !» Alors qu'ils fument eux-mêmes. Moi, je sais que le cardiologue de ma ville, je sais plus à qui il a dit un truc. Le gars, il était comme as. Plus d'une centaine de kilos. Il a dit, je sais plus à qui il a dit. Il a dit, ouais, il faudrait peut-être perdre du poids. Ah, la blague. Ah, mais c'est la blague. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, les gars. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est n'importe quoi, quoi. Il y a des médecins qui n'ont aucun tact et qui sont mal placés pour parler. Donc, voilà. Petite aparté du dentiste, à part ma lèvre qui fait la malle et que je bave. Donc, je sais pas ce qu'elle a fait. En m'anesthésiant, j'espère qu'elle n'a rien touché. Ça me perturbe, hein, cette lèvre. Hein. Quand je mange escargot,
Encore ça va maintenant, j'arrive à boire parce que j'ai la sensation dans ma lèvre. Mais bah, en fait, j'ai la bouche de traviole. En fait, elle m'a. Non, elle veut pas se remettre. Elle m'a tellement tiré la lèvre que ça se trouve, elle m'a dégommé la gencive. Je sais pas ce qu'elle a fait, peu importe. Au moins, bon, la carie du bas est soignée. Et encore, à côté, la dent d'à côté était aussi cariée. Donc, elle a dû traiter les deux dents. Donc, en fait, au lieu de 45 minutes, je suis restée 1 heure. Bah voilà, tant pis. Elle n'avait pas le choix, elle avait commencé. Elle fait, ah mince, il y a une carie sur la dent d'à côté. J'ai oublié de la soigner. Bah, de toute façon, c'est anesthésié. Amuse-toi, cocotte. Hein. De toute façon, voilà. Donc, ça, c'était pour la petite aparté. Et j'ai eu une autre commande tout à l'heure. Donc, je suis allée la poster. Parce que c'est une commande qui partait en lettres. Je suis allée la poster et j'ai aussi mis dans la boîte les commandes qui devaient partir aujourd'hui. Tout simplement parce que le facteur a décidé de ne pas passer. À 18h30, je recevrai un message. Nous avons pris les colis dans votre boîte. Bon, pas du tout. C'est moi qui suis allée les mettre dans la boîte aux lettres. Et ça, c'est chiant parce que le facteur, il doit venir récupérer les colis. Moi, je fais bien. Dépôt dans ma boîte aux lettres, retrait dans ma boîte aux lettres. Et bon, voilà. Alors oui, je sais qu'il y a les JO et tout machin, mais un facteur, il passe pas à 18h, les gars. Un facteur, il passe pas à 18h. On va dire maximum 14h, vas-y, maximum 14h. Mais là, il est 17h55, il n'est pas passé. Donc, il y a quand même un problème. Donc, en allant dans le centre, je suis passé au Tabacado pour l'intoxication de Jen. Je vous rassure, elle m'a passé sa carte bleue. Hein. Je ne lui ai pas payé ses clopes. Les mauvaises langues, je vous vois venir. Elle m'a passé sa carte bleue, donc j'ai payé donc ses clopes. Enfin, j'ai payé. J'ai fait le messager. Voilà, j'ai fait la messagère. Et puis après, en revenant du dentiste, je lui avais quand même demandé si elle pouvait me conseiller un dentifrice, parce qu'elle m'a dit qu'il fallait du extra fluoré et tout pour moi. Donc elle m'a conseillé un dentiste, donc un dentifrice, donc je suis passée directement à la pharmacie. C'est du fluocaril 250, je sais pas quoi, qu'elle m'a donné. Et en fait, j'ai pas compris. Je demande au pharmacien s'il a ça, il me dit oui, donc il m'amène deux trucs. Un lot de deux et un tube tout seul. Je peux avoir les prix. Le tube tout seul, il était à presque 9 euros et à 8,90, un truc comme ça. Je fais le lot de deux. Il me fait, j'ai dit quoi? Ouais, 12,90. Bah, donc tu prends le lot de deux, puis c'est les gros tubes, hein, donc j'ai de quoi faire. Niveau dentifrice, j'ai de quoi faire. Voilà. Et par contre, la dentiste qui me dit, il faut se brosser les dents, voilà, mais moi je veux bien, mais la façon dont elle me le dit, je vais m'arracher la gencive, hein. Je saigne des gencives, je sais pas comment je vais faire à sa façon. Bon, on va essayer, hein. Je promets rien. Voilà. Mais bon. Faut pas chercher à comprendre. Le fondant du jour, donc c'est le fondant breuvage de l'amour. Voilà. Donc je rappelle que le fondant breuvage de l'amour, ça sent littéralement le fruit rouge. C'est une odeur de fruits rouges. Voilà. Donc, il ne faut pas chercher à comprendre. Donc, si vous êtes intéressé par cette odeur, vous pouvez la tester, il n'y a pas de problème. Et aussi, Mylène de la chaîne Simplement Mylène a bien reçu le partenariat. Voilà, bien reçu le partenariat. Si vous voulez aller voir sa chaîne, je vous la mets dans le petit i. Elle n'a pas fait de vidéo, mais pour l'instant, elle a mis dans l'onglet communauté. Elle a mis dans l'onglet communauté et elle l'a mis aussi en story Instagram. Donc ouais, n'hésitez pas à passer donc sur sa chaîne, voilà, allez la soutenir. Et puis voilà, moi les chiens vont faire gros miam, hein? Ah oui. Et ouais, donc moi je suis réveillée depuis midi et demi. Je suis réveillée depuis midi et demi, je suis restée au lit jusqu'à midi 50. Enfin, j'ai eu mon réveil à midi 50. 13h, je suis sortie du lit, j'ai sorti les chiens, me suis préparée, puis bon, après, je vous ai pris directement quand je suis allée chez la dentiste. Oui, bah voilà, vous voyez, je bave, c'est horrible. Je sais pas ce qu'elle a fait, j'espère que ça va vite se remettre. Donc, ouais. Et je rappelle que demain, donc quand vous verrez ce vlog,
ce sera l'anniversaire de Melba. Donc je vous le dis directement qu'à 18h, vous aurez une vidéo de Melba, voilà, pour son anniversaire, une vidéo anniversaire de Melba, donc à 18h. Voilà, je vous dis à toutes. Tu veux? Chacha, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux, Charlie? Tu veux quoi, Chacha? Maintenant, tu veux plus miauler. Tout à l'heure, t'étais Pâté? cassée, maintenant, tu veux plus miauler. Pâté? Pâté? Charlie, Mao, Mao, oui. Tu as faim? Il en charge. C'est Tu ça que as j'ai. faim, Charlie? Oui? Mao, bah oui, il répond en plus ce chat. Non, mais c'est n'importe quoi. Oui, vous avez un gros plan sur les chaussettes à Jen. Il est 21h21. Je vous reprends. Je suis restée au moins, je sais pas, je dirais 2 heures au téléphone avec Jeanne. Hein, au moins 2 heures, hein, facile. Hein. Ah, je sais pas, j'ai pas mon temps d'appel, je le trouve pas. Bon, je sais pas, peut-être 1h45 quand même. Hein. On va rapprocher, il est presque 21h. Hein. Donc voilà. Donc après, moi là, je sors de la douche. Voilà, donc je me suis lavée avec le Rituals Ayurveda. Bah, ça sent super bon. Voilà, ça sent super bon. Bien sûr, il faut aimer le côté fleuri. C'est plus fleuri que le sakura, hein, ça c'est sûr. Hein, parce que c'est rose indienne ou je sais plus quoi. Donc voilà, donc j'ai lavé mes cheveux. Excusez-moi, je les mets en place. Je suis en train de finir ceci. Et comme vous pouvez le voir, ma lèvre est redevenue normale. C'est bon, je devrais arrêter de faire l'escargot. Ça devrait aller. C'était vraiment pas agréable. Et justement, je dis, il faut que j'arrête de faire l'escargot. Bah, non, mais c'est chiant ça. Je pense que ce soir, je vais travailler. Voilà, parce que j'ai 200 fondants à faire quand même. Donc, je pense que je vais les faire cette nuit. Voilà. Et plus tard, je ferai donc le reste de réassort qui me manquait. Voilà. Il manquait du réassort pour pêche, mirabelle, je sais plus. J'ai écrit caramel. Je sais plus, j'ai écrit sur une liste. J'ai pas de tête, un peu normal. Donc voilà, donc je vais faire 100 pâtes à tartiner, 50 litchis et 50 pains d'épices. Voilà, donc du travail. En gros, il me faut 14 moules. Voilà, il me faut 14 moules. Muffin, qu'est-ce que tu fais? Il me faut en trop. Bah, j'aurais besoin de tous mes moules, en fait, clairement. Donc, avec toute ma table. Voilà. Ah, donc là, voilà. Faut que je trouve un plat pour mettre le lachi. D'abord, on va manger. Un peu plus tard, on mangera. Et je mettrai le reste quelque part parce que je vous rappelle que le gâteau que je fais pour Melba, pour l'anniversaire de Melba, mais qui est pour moi. Techniquement de base, et là comme il y a Jen, ce sera pour Jen aussi. Que je rappelle que les photos des chiens avec les gâteaux, le gâteau, ils n'en mangent pas. Je préfère répéter parce que j'ai peur d'être mal compris. Parce que quand on voit un gâteau au chocolat, ah oh, mais les chiens, non mais ils en ont pas. Les chiens, ils ont juste la photo avec. Ils ont la photo avec. Moi, je me tape le gâteau. Eux, ils ont la photo, mais ils ont des friandises avec. Ils ont leur friandises. J'ai dit le mot. Friandises. Ma fille, il a fait statue. Non, c'est pour demain. C'est pour. Non, non, non. C'est pour demain pour l'anniversaire à Melba. C'est demain. L'anniversaire à Melba, c'est demain. Donc la friandise, c'est demain. Ah, j'ai dit le mot magique. Là, j'ai eu trois têtes. Blouh! Ma fille, il s'énervait sur le lit de Jen. J'ai dit le mot. Il a stoppé. Melba, elle m'a regardé. Mon creveux, tout mouillou. Et Canel aussi, elle a bugué. T'as bugué aussi sur le mot? Oui. D'accord. Demain, je reçois la commande Zooplus, donc le flacon d'huile de chanvre et les cordes. Bah, justement, ça tombe parfait. Ça tombe parfait. T'auras tes cadeaux, mon chien. T'auras tes cadeaux. Oui, t'auras tes cadeaux. T'auras tes cadeaux. Et quand j'ai sorti les chiens cet après-midi, ils ont joué avec la voisine, avec la petite mamie du dessus. Ils ont joué avec, donc Muffin, Melba, ça c'est sûr. Et Canel. Elle est arrivée, elle a commencé à lui aboyer dessus, que d'habitude, Canel s'en fout royalement de tout. Elle a commencé à aboyer et tout, donc la petite mamie a commencé à la caresser. Mamie, elle grogne, là. Je sais pas ce qui lui arrive aujourd'hui.
Non, elle n'est pas de mauvaise humeur, justement. Elle a un regain d'énergie. Parce qu'elle est presque arrivée en trottinant, hein. On parle de cannelle, là. De panse, mais elle est presque arrivée en trottinant pour voir Mamie Soupe. Mais bon. Donc voilà. Oui, ma mamie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as, mamie? Oh, je sais ce que je t'ai pas donné. Je sais. Je le donnerai plus tard. Oui, son huile de chanvre, je lui ai pas donné ce soir. Mais j'ai rien dit. Oh là là, je me fais agresser. Ouais, oui, alors par contre, là, faut que je regarde si mon linge est sec sur le tankerville et que je le range s'il est sec et comme ça, je lancerai la machine avec les nouveaux draps que j'ai achetés chez Action parce que je vais faire une machine à part au cas où que ça déteint ou je sais pas, que ça déteigne ou pas, je sais pas, je connais pas les draps en jersey. Et de toute façon, comme il doit y avoir une température à respecter, mais en général, les premiers lavages de couleur et comme il y a quand même deux draps. Noir, gris, foncé, anthracite, là. Je préfère ne pas détendre les vêtements sur les vêtements qui sont dans la machine, donc je vais laver ça à part. Je vais mettre une lingette et puis voilà. Donc là, je vais regarder si c'est sec sur le Tankerville. Et puis voilà, je vous dis à toutes. Alors, il est minuit 2. Regardez qui est avec moi. C'est son anniversaire. C'est son anniversaire. Tu as 2 ans, mon bébé, et toujours ta tête de bébé. Oui, tu as 2 ans. Oh, maman est embêtée avec plein de bisous et de câlins. C'est l'anniversaire de ma cravate. Oui, c'est ton anniversaire, mon bébé. Tu as 2 ans. Demain, on fait la photo avec le gâteau. Oui, bah oui. Bah oui. T'attends un truc, toi. Je vais te donner. Oui, je vais. Vous allez avoir un biscuit. Vous allez avoir un biscuit. Pour trouver une child friendly à Charlie. Oui. Donc, excuse-moi, on a fini de manger. Je n'ai pas encore fait la vaisselle. J'avoue, je me sens lourde. Voilà, clairement, je commence à avoir mal à la tête. Donc, je digère un peu. Je prends un ibuprofène. Je vais mettre à réessorer une deuxième essorage mes draps. Donc heureusement les draps se lavent à 60. J'ai pu les laver à 60, désolée, mais le bas se gratte. Voilà. Charlie il avait un truc. Ouais, donc là je me pose un peu et je vais faire la vaisselle après. Excusez-moi, je suis vraiment pas très fraîche là, j'avoue. Et après, je prépare le travail pour donc faire les 200 fondants qui partiront le plus vite possible pour l'île de la Réunion. Voilà. Donc j'ai fait le calcul de la commande. En fait, donc techniquement, il y a une réduction parce qu'il y a comme il y a un lot de 100 fondants qui sera automatiquement pris dedans. Puisque je ne fais pas des lots de 200. Déjà, un lot de 100, c'est tellement rare qu'on m'en prenne, on n'a même jamais pris. Donc, en fait, si je fais, donc je ne vais pas faire un lot de 200. Donc, elle aura quand même une réduction de 10 euros sur sa commande. Voilà. Et donc, je voulais aussi remercier Mylène, qui a donc mis dans son onglet communauté, donc je l'ai dit tout à l'heure, une publication donc, du partenariat reçu. Et aussi sur son Instagram, elle a testé le fondant Barbapapa. Elle a dit que c'était une tuerie. Donc, merci. Donc, d'ailleurs, le site a été visité au moins 80 fois hier. Voilà, donc ça n'arrive jamais. D'habitude, en moyenne, c'est entre 30 visites par jour et maximum, quand ça marche bien, 50. 50, 60. Là, presque 80. Non, qu'est-ce que je dis? J'étais à 95, je crois, ou 85, je sais plus. Bon, moi, un peu moins de 100, mais pas beaucoup. J'ai eu donc une commande qui m'a été passée donc tout à l'heure, donc que j'ai été donc postée, puisque je vous ai dit que j'avais dû aller déposer les colis qui n'ont pas été pris dans ma boîte aux lettres, et j'ai déposé donc la commande qui m'a été passée. Donc c'est une abonnée de Mylène. Donc, et elle m'a pris, elle, 4 fondants 20 grammes Monoï. Voilà. Donc, voilà.
En tout cas, merci aux personnes qui me font confiance et qui me donnent ma chance, clairement, voilà, qui me donnent ma chance. Donc, en tout cas, j'espère que ça ne s'accorde, ça plaira à tout le monde, voilà, que ça plaira à tout le monde, que tout le monde sera satisfait. Et voilà. Donc, écoutez, je vous dis à tous. Voilà, préparation de la commande demandée de 200 fondants. Toute la ligne là, ça sera pâte à tartiner. Ces trois là, ce sera pain d'épices, litchi. Et après, j'ai encore, comme je dois faire 50 de chaque, pain d'épices et litchi. Voilà, j'ai du taf, quoique ça va aller vite. Puisque comme il n'y a pas beaucoup de fragrance, je n'ai pas trop de vaisselle à faire. J'ai même pas de vaisselle à faire entre chaque fournée, tournée, peu importe. À toutes. Il est 2h29. Je viens de finir à l'instant de faire la préparation donc de la commande qui m'a été demandée, donc les 200 fondants. Donc 100 fondants pâte à tartiner, 50 pains d'épices et 50 litchis. Clairement, j'ai fini mon stock de fragrances pâte à tartiner. J'ai fini mon stock litchis et presque mon stock pain d'épices. Donc, il faut que je rachète aussi du pain d'épices parce que c'est déjà mon backup. Voilà. Voilà. Charlie est en train de danser, c'est trop mignon. Il cherche un moustique. Donc, voilà. Donc, ouais, en gros, j'ai commencé à travailler. Il devait être 1h10, 1h15. Vous voyez, j'ai mis 1h15 à travailler. Ça va assez vite en soi à faire. Mais après. En fait, il y a le temps de fonte qui est plus long parce que je mets beaucoup plus de cire d'un coup en fait. Voilà, Jen bouge. Elle a mal au bras. Voilà. Parce que Jen, elle dormait. Puis elle a fait pause pipi, pause Pepsi et pause bras. Donc voilà. J'avais raison, ma pote devait. J'ai une pote qui devait m'appeler. Elle ne m'a pas appelée. Je savais qu'elle allait soit s'endormir, soit faire autre chose, soit m'oublier. Mais à la base, on devait se parler pendant que moi je travaillais. J'attends encore. J'ai fini de travailler, donc c'est un peu foutu. Voilà. Je vais regarder un épisode de Buffy histoire de me détendre un petit peu parce que bah, j'ai un petit peu chaud au niveau de. Bah, faites rester devant la cuisinière, quoi. Pas loin de la cuisinière. Faut que je vous montre, Charlie. Charlie, il est là, le moustique, il est là-bas. Alors, faut que je monte Charlie, mais le truc, c'est que bah, bon, la laisse est dégueulasse, vous le savez très bien, je la change avant de me coucher. Charlie chasse les moustiques, je vous montre. Tiens, chat, t'as vu le moustique? Vas-y, chasse. Chasse. Ouais, chacha, il danse. Tu l'as eu au moins, Charlie? Oui, il est en train de le manger, donc c'est qu'il l'a eu. Bon app, Charlie, hein? Y en a un autre, Charlie, je le vois. Ah non, c'était pas un moucheron, ça, c'est con. Allez, Charlie, vas-y. Allez, Charlie, vas-y, vas-y. Pardon. Chacha, tu t'es arrêté à un moustique? Pas comme ça que je bois de piqué, moi. Faut que je mette un fondant anti-moustique la nuit maintenant. Tous les soirs. Charlie? Regardez-moi cette bouille. Oh oui, non, ça marche moins bien avec le zoom. T'es moins beau. T'es beau de loin, mais loin d'être beau, hein. C'est Cannelle qui ronfle. Hein. Je suis désolée, vous devez entendre des bruits bizarres, c'est Cannelle. Alors, Charlie, tu t'es arrêté? Un deuxième. Cannelle a fait la moto. Charlie, il veut plus Charlie. Oui, vous inquiétez pas, hein, la laisse sera changée, hein, avant que je me couche.
Canel, tu fais la moto? Écoutez, Canel, on... Mettez un peu de son si vous entendez Canel ronfler. Mamie. Ça ronfle bien. Bon anniversaire, mon bébé. Oh, j'ai oublié vos friandises. Bon, ce sera demain. Là, j'ai quoi? Ah, c'est une tête de muffin. Oui, mon bébé. J'ai ton anniversaire, qui n'est pas celui de ta mère. Bon alors, oh là là. T'as les yeux qui pétillent, toi. Oui, mon bébé. Enfin, tu dis mon chien. C'est vrai que j'ai ton gâteau encore à faire. Ben non, je suis pas couchée en fait. J'ai ton gâteau à faire. Oui, tu lâches la... Oh, oui. Les chouilles du bracelet de maman, ben oui, c'est toujours mieux. On revient sur Jaja. Il a vu un truc. Ben, il a vu sa mère bouger. Vas-y Charlie, c'est bon. Vas-y Charlie, c'est bon, bon, bon. Je vous l'ai dit, il était créole. Il est entier. On a l'impression qu'il a des lunettes. C'est trop bizarre. Non. C'est quoi cette gueule? C'est la statue du chat. Désolée pour cette petite pause animalière, mais Charlie qui chasse les moustiques, c'est amusant, c'est trippant. Puis en plus, comme je vous ai dit, il est entier, alors faut le motiver avec Allez Charlie. Hein. Vas-y Charlie, c'est bon. Vas-y Charlie, c'est bon. Bon, pardon, excusez-moi. Donc voilà, il y a Melba qui se met les quatre fers en l'air. Bah oui, mon bébé. Oui, oui. Bah ma fille, toi aussi, tu fais les chouilles. Donc voilà, je vais boire un peu de café, voilà. Parce qu'en plus, j'ai réalisé que j'avais encore le gâteau de Melba à faire. Pas de cannelle, de Melba à faire. Et je pense que je vais allumer un fondant anti-moustique, quoi. Je vais allumer un fondant. Non, je vais brûler ma cire. Je vais mettre un peu de cire dans mon brûleur et mettre un peu de fragrance anti-moustique. Parce que moi, je me fais dévorer. Et c'est pas bon, ça. Bah écoutez, je vous dis à toutes. Il est 3h18. Attendez, je vous cale. J'ai allumé donc de la cire avec de la fragrance, donc anti-moustique. Et ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai pris des pots, moi, des trucs vides que j'avais. Et en fait, de moi, j'ai deux photos forts et une moyenne jarre Yankee Candle que j'avais à ce moment-là, où je sais pas si c'était Ghost Creek ou pas, je sais pas. En fait, je les ai mis toutes les trois à mes fenêtres. En gros, j'ai mis du bicarbonate de soude et de la fragrance, donc anti-moustique. Voilà, j'ai bien touillé, comme une poudre parfumée pour aspirateur que je fais. Sauf que là, j'ai fait la version anti-moustique et j'en ai placé chacun à une fenêtre. Voilà, comme ça, je vais essayer. J'espère que je ne ferai pas trop manger cette nuit. Parce que là, ça commence à être chiant. Donc ouais, donc il y en a à chaque fenêtre. J'espère que ça va suffire. Plus la cire qui est en train de fondre. Donc d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je recommande fragrance musti, mustela et c'est citronnette géranium, donc anti-moustique. Donc il faut que je recommande celle-là aussi. Les deux en 100 ml. Hein. Donc voilà. Et puis voilà, donc là, quand j'aurai ma monétisation YouTube et mes paiements de mes ventes, je passerai donc commande pour les brûleurs que je vous ai parlé. Pour les brûleurs que j'ai parlé, Timou, ça attendra clairement. Timou, je n'ai pas spécialement besoin de grand chose, même rien. Techniquement, Timou, ah si, bah si, Timou, il me faut des sachets.
des sachets individuels, des plus grands sachets là où je mets justement les fondants quand il y a des commandes. Donc ça, faut que je reprenne. Je voulais reprendre quoi d'autre? Je sais plus. Donc voilà. Et il va falloir peut-être que je reprenne du papier bulle. Parce que malheureusement, trouver du papier bulle à Action, c'est chose impossible. Voilà. Donc à Action, il me reste encore un rouleau et demi de papier bulle. Mais je crois que je n'en retrouverai plus avant un moment. J'en ai trouvé qu'une fois du papier bulle Action. Puis il n'est pas spécialement très très. Voilà quoi. Ça fait le job, mais voilà. Donc ouais. Donc je vais regarder si. Si je prends du papier bulle chez Timou, j'en avais déjà pris. Je verrai. Voilà, je vais regarder les prix. De toute façon, si je fais une commande Timou, autant qu'il y ait un peu plus de trucs, parce que je pense que sur Amazon, ça devrait être plus cher. J'ai un peu peur. Donc voilà. Donc, ouais. Et je pense que je ne vais pas faire le gâteau de Melba maintenant. J'avoue, je suis claquée. Et j'ai encore le vlog à monter. Voilà, j'ai encore le vlog à monter. Je suis épuisé, fracassé, claquette, chaussette, carpette, tongs, maillot de bain, je n'en peux plus. Je m'étais couché déjà tard. Je m'étais couché vers 4h30, 5h déjà ce matin. Et je suis réveillée depuis midi. Depuis, ouais, on va dire midi et demi. Je suis sortie du lit, il était 13h pour avoir dentiste à 14h. Et je ne me suis pas recouchée depuis. Donc, ouais, ça pique. Donc, écoutez, je vais faire le tirage au sort du fondant de demain et je vous reprends. Tirage au sort du fondant de demain et le gagnant sera Orangette. Ouais, par 25 degrés, bah écoutez, ça fera l'affaire, surtout que j'adore cette odeur et j'adore les manger aussi. Mais je rappelle que mes fondants ne se mangent pas. Voilà, tirage au sort fait. Au passage, je suis allée, donc excusez-moi, je suis allée changer la laisse. Et déplacer la table où j'ai fait mon travail et remettre la chaise à sa place. Comme ça, j'ai mis la table sur le côté, comme ça j'aurais pas à la bouger demain. J'avais la flemme de le faire demain. J'avoue que là je suis crevée. Donc le fondant de demain sera donc le fondant orangette. J'ai des paillettes jusqu'à là quoi. Donc le fondant. J'ai tombé. Ouais, écoutez, j'ai des paillettes sur le corps. Donc ouais. Donc ouais, donc le fondant orangette, donc moi j'adore l'odeur de l'orangette et j'adore aussi les manger. Mais comme je rappelle, mes fondants sont des fondants parfumés. C'est pour là, pour le nez, pas pour la bouche. Les fondants ne sont pas comestibles. Ça ne se mange pas. Voilà. Beaucoup d'enfants étaient déçus au marché de Noël, c'est vrai. Je pense que j'en redécevrai encore beaucoup cette année. Charlie a fait pouf. Voilà. Donc je vais aller ramasser aussi. Parce que Melba l'a fait pouf aussi avant que je change la laisse. Là, Charlie l'a fait pouf. On va les ramasser avant que les chiens aillent dans la litière. Parce qu'ils y sont allés déjà hier pendant qu'on mangeait. Et ça, c'est chiant parce que j'ai pas envie qu'ils tombent malades en mangeant les caca de Charlie. Hein, clairement. Mais bon. Écoutez, on a trouvé un système pour la litière à Charlie, parce qu'en gros, tout à l'heure, j'ai passé l'aspirateur le plus que je pouvais. Voilà, j'ai passé l'aspirateur à fond, parce qu'en fait, à la base, j'ai déplacé ma cuisinière. En fait, j'ai des petits moucherons. Des petits moucherons, vous savez, qu'on a souvent dans les cuisines. Donc, j'ai fait, ça se trouve, il y a un truc qui est mort derrière. Pas qui est mort, mais vous savez, et la nourriture qui est tombée qui est en train de pourrir derrière la cuisinière. Donc je l'ai poussé, je l'ai tiré, j'ai aspiré, j'ai passé un coup de serpillière. C'est pas ça. Je vais inspecter demain le panier ail, oignon et tout. J'ai inspecté, peut-être que ça vient de là, je ne sais pas. Ce ne sont pas les pommes de terre, donc je sèche totalement. Et puis il n'y a pas d'odeur. Donc c'est des petits moucherons, mais pourtant je n'ai pas de fruits et légumes, à part les pommes de terre, mais c'est pas ça. Il n'y a pas de pommes de terre pourries. Donc non, c'est pas ça. Donc je ne sais pas.
Donc ouais, et en fait après bah, j'ai passé l'aspirateur dans tout l'appartement et en fait en nettoyant donc au niveau du lit de Jen, il y a de la litière, il y avait de la litière partout. Parce que Charlie en fout partout quand il gratte et Jen est en chaussette, elle a marge dans la litière et elle en met partout dans l'appartement. Ça, c'est pas de sa faute, elle n'a pas de chaussons, elle ne met pas de chaussons, elle vit en chaussette. Et en fait, quand j'ai aspiré tout à l'heure, je me suis dit, mais attends, là, il y a un carton qui est un peu cassé. Moi, je me suis dit, il y a un carton qui est un peu cassé. Tu peux mettre la caisse et comme ça, tu mets la caisse et Charlie, il aura juste à rentrer, quoi. Oui, Charlie, on parle de toi. Il vient squatter mon lit. Il va tomber, ce chat, il va tomber. Donc voilà. Donc, ouais, on a organisé ça. Donc, comme ça, au moins, il devrait avoir moins de litière partout dans l'appartement. Parce que le truc, c'est que lui, quand il en met partout à côté de sa litière, Jen, elle marche dedans et ainsi de suite. Voilà. Après, l'aspirateur, il est passé, hein, mais bon, c'est pas grave. Je t'ai expliqué, bien sûr, que Jen, c'est pas qu'elle ne fait rien. C'est que j'ai déjà expliqué. Parce que je sais qu'il y a des mauvaises langues en disant, elle est là, elle se fait nourrir, loger, elle se fait nourrir, loger, blanchir. Non. J'aime faire les choses à ma façon. J'aime cuisiner à ma façon. J'aime faire la vaisselle à ma façon. J'aime faire le ménage à ma façon. Et je sais qu'il y a des personnes qu'on repasse derrière eux, ça les vexe. Elles, non, elle m'a dit que non, ça la vexait pas. Moi, je vous ai expliqué déjà que quand je fais le ménage et que mon père vient et qu'il repasse un coup de balai derrière, moi, ça me vexe, clairement. Mais bon, voilà, ça choque. Il y a peut-être que moi que ça choque, je sais pas. Mais bon, après pour moi, voilà. N'y a pas que Canel qui ronfle, hein. Donc écoutez, je vais clôturer le vlog ici. Il faut encore que je le monte. Je suis fracassée. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Salut!